nommée à la tête du Tour de France Femmes, Marion Rousse considère être légitime et n'a que faire des propos de ceux qui estiment qu'elle a été nommée à ce poste parce qu'elle est une femme, ancienne coureuse, avec à son crédit un titre de championne de France en 2012, consultante télévision reconnue et co-organisatrice du Tour de Provence. Le nom de Marion Rousse s'est imposé comme une évidence à Christian Prudhomme lorsqu'il s'est mis en tête d'un directeur du Tour de France Femmes. Au printemps 2021, à un an de la grande renaissance de l'épreuve. On aurait été bien embêté si elle avait dit non. Pour nous, il n'y avait qu'un nom, le sien. Elle est ancienne cycliste, championne de France, consultante avec un œil acéré et je le dis en tant qu'ancien commentateur, et elle avait commencé à tâter de l'organisation avec le Tour de Provence. Ce qui indiquait une curiosité saine dans tous les domaines du cyclisme. A-t-il d'ailleurs récemment confié dans les colonnes de l'Équipe. Parce que c'est une course de femmes, il faut mettre une femme? Mais ce n'est pas une question de genre. Il faut juste mettre les bonnes personnes à la bonne place. J'ai accepté le poste donc je n'ai pas d'autre choix que d'être au niveau. C'est presque plus un devoir qu'un boulot, avait expliqué l'intéressé, convaincu de sa légitimité. Une habitude pour la nordiste, je n'ai rien à leur dire. J'ai toujours été à l'aise dans les emplois que j'ai exercés et je continue mon travail sans me demander si je suis un homme ou une femme, a-t-elle assuré à Cycling News. J'ai toujours voulu gravir les échelons, mais je pense aussi que si je monte, c'est parce que j'ai travaillé et fait mes preuves. Ce n'est pas parce que l'organisation cherchait simplement à avoir une femme en place, mais parce que je savais de quoi je parlais et que j'avais mérité ma place. La compagne de Julien Alaphilippe n'a donc que faire des critiques. Alors la meilleure réponse que je puisse donner aux gens qui sont bloqués sur le fait qu'une femme ne devrait pas être à vélo, ou à vélo, je n'ai rien à leur dire, a-t-elle tonné. Et c'est à travers mon travail, que ce soit le Tour de France Femmes ou d'autres activités, que nous méritons notre présence. Nous n'avons rien à expliquer car nous sommes à nos places bien méritées et nous faisons bien notre travail. C'est aux cyniques de changer d'avis, plutôt qu'à nous de leur expliquer quoi que ce soit. Point.